Bonjour Madame Vinclair. Est-ce qu'on dit Vinclair, c'est ça? Oui, c'est bien. Ok, Julia Vinclair. On est ici aujourd'hui pour l'exposition de Marilyn Stafford. Alors, avant de commencer, de quelle manière est-ce que vous vous êtes retrouvée sur cette exposition? C'est une très bonne question. J'ai rencontré Marilyn il y a 2 ans. Parce qu'elle habite pas loin de chez moi, elle habite à côté de Brighton. Et elle avait une toute petite expo dans un café, ça faisait partie d'un petit festival d'art et musique à Shoreham. Et j'étais complètement ravie des images, il y avait une vingtaine de photos, surtout des photos de Paris, pas celle-ci mais d'autres images. Et je commençais à lui parler, et depuis, s'est établi une amitié, un échange, et pendant presque 2 ans, on s'est vu régulièrement, et je lui ai posé des questions sur sa vie, et on a identifié cette série-là, parce que, avec d'autres collègues, j'ai fait partie d'un groupe de recherche. On a reçu un financement du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, qui s'appelle From Streets to Playgrounds. Et quand j'ai vu ces images que Marilyn a prises à Paris en début des années 50, où les enfants utilisent la rue comme leur aire de jeu, je lui ai demandé si on pouvait montrer les images ici en association avec l'autre expo qui est au City Archives. Et depuis, donc, on a travaillé là-dessus. Ce qui est très touchant avec ces images, c'est qu'on a failli les perdre. Oui, justement, j'allais vous demander dans quelles conditions est-ce qu'elles ont été conservées. Parce que je vois des traits sur les images, parfois des traits bleus, rouges, comme si quelqu'un avait écrit dessus. Voilà, oui. C'est ça. Elle a pris ses photos entre 49 et 54. Oui. Donc juste après la guerre. Juste après la guerre. Oui. Mais elle n'a jamais fait imprimer les images. Il n'y a que les épreuves. Et parce qu'elle a passé une dizaine d'années à Paris, mais après elle a beaucoup voyagé, elle a vécu sur le banc, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, elle a perdu presque tous ses négatifs. Voilà. Il ne reste plus que 4 négatifs. Voilà. Et elle a aussi oublié ses images. Et c'est seulement il y a quelques années, quand elle a revisité ses archives, qu'elle a retrouvé ses photos. Alors elle m'a montré ses épreuves qui ne sont pas dans un très bon état, comme vous les voyez. Oh, là, on a scanné les photos. Et j'ai pas vraiment retouché les images. Juste, j'ai enlevé un peu la poussière. Mais alors, je sais que vous êtes en entretien. Oh, c'est la fête des femmes aujourd'hui. C'est très beau. Ah non, pour les femmes, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Vous les servez votre entretien. C'est gentil. Ok, très bien. Ben, félicitations pour ça. Merci. Et pour la journée de la femme. Et donc, vous étiez en train de m'expliquer de quelle manière est-ce que. Oui. Continuez. Oui. Les images étaient dans un très mauvais état. Et Marilyn, pendant des années, au début, quand elle a eu ses épreuves, elle s'est demandé comment elle allait les montrer. Elle n'a jamais fini par les montrer, mais au début, elle s'est posé des questions. Et c'est pour ça qu'elle-même, avec un stylo, elle a commencé à encadrer sur les épreuves les petites images, et elle s'est demandé comment présenter les photos. Et on a eu une discussion avec elle. Elle voulait que j'enlève ses traces. Ouais. Et je lui ai expliqué non, ça permet ensuite aux gens de comprendre sa façon de penser à l'époque, parce qu'elle voulait encadrer, elle voulait avoir des encadrages beaucoup plus serrés. Ah, d'accord. Elle voulait moins montrer les rues et les ruelles, et plus les enfants. Mais pourtant, beaucoup de gens vont s'intéresser à la rue, surtout à l'image que ça donne de Paris plus, à cette époque. Plus. Oui, parce qu'on voit des enfants qui sont parfois insouciants, mais on voit aussi un Paris très pauvre, en fait. Voilà, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, c'est important de voir les rues, les maisons, l'état des maisons. Et la cité des Sages Boulot était un des quartiers les plus défavorisés. C'était un quartier des migrants. Avant la guerre, il y avait plein de familles de la Grèce, la Turquie, l'Italie, l'Espagne. Après la guerre,
davantage des familles d'Afrique du Nord, ouais. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et c'est important qu'on voit les rues et les affiches aussi. Là, par exemple, la photo avec la petite fille qui porte des hauts talons à sa maman. Vous voyez, elle voulait juste montrer la photo de la fille et peut-être juste la porte là. Ah ouais, je vois. Mais on n'aurait pas vu les affiches qui sont accrochées sur les murs. Et les autres enfants qui essayent aussi d'entrer, qui essayent aussi de faire partie de l'image. Donc je trouve que c'est très important et on a réussi à la convaincre. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais montrer les clichés, pour qu'on voit premièrement des temps dans lesquels on a aussi coupé des petites images. Comme vous voyez, il manque une image là. Ouais. On a perdu cette image, on ne sait pas où elle est. Et c'est pour ça, donc on joue avec cette idée là. C'est un quartier qui a été démoli après. Il ne reste plus rien sur place. C'est maintenant un quartier assez branché. Et les photos, les gens et le quartier ont disparu. Donc au-delà du caractère esthétique, oui, du travail, il y a aussi un caractère historique tout à fait important. Social, documentaire, archival, archivage, oui. Politique, oui. Même. Ce sont des images très importantes et je pense que Marilyn commence seulement maintenant de réaliser l'importance historique et esthétique. Mais est-ce qu'elle vous a dit pour quelle raison est-ce qu'elle a fait ces photos? Alors oui. Parce que dans la présentation que vous en faites, elle est allée à Paris, elle a touché un peu à tout, elle a fait notamment un peu de musique. Mais pour quelle raison est-ce qu'elle a fait ces photos-là? Parce qu'elle a trouvé les enfants et elle était touchée par les enfants. Et elle a approché, à ce moment-là, je dirais, qu'elle était encore plus innocente. Elle a approché ses photos avec le regard de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'intéresse à une nouvelle ville, une nouvelle vie. Elle s'est trouvée toute seule dans cette ville, elle avait 23-24 ans. Elle était touchée par les enfants qui étaient curieux. Ils ont montré une curiosité envers elle. Et je pense qu'elle ne s'était pas aperçue encore à ce moment-là que c'était un quartier très défavorisé. Elle n'avait pas peur non plus, avec son appareil, jeune femme américaine, avec son... elle n'avait pas peur. Et je pense qu'on voit cette innocence, mais aussi ce regard, je dirais un regard affectueux. Après, elle s'est politisée. Donc, quelques années plus tard, elle s'est retrouvée en Afrique du Nord avec son mari qui était correspondant, journaliste. Elle s'est retrouvée en Tunisie auprès des réfugiés algériens qui s'étaient réfugiés en Tunisie, qui vivaient dans des conditions abominables. En Tunisie, et là elle a pris des photos, elle a ensuite montré ses clichés à Henri Cartier-Bresson, dont elle était déjà devenue amie, et lui a donné des conseils, prends ceci, prends cela, et ces photos ont été choisies pour un journal britannique, The Observer, et ces images se sont trouvées sur la couverture du Observer. Okay. Donc à ce moment-là, elle s'est politisée et elle a passé un an au Liban, elle a pris des photos des familles berbères, elle est au village et aussi dans les villes, elle a aussi pris des photos des gens qui avaient des biens. Mais vous voyez, après il y a eu la guerre au Liban et les photos qu'elle a prises au Liban, elle ne pourrait plus les prendre maintenant parce que c'est une vie qui n'existe plus. Et il y a eu énormément de dégâts au Liban, alors c'est un Liban qui a été complètement détruit après. Ok, mais ces photos-ci, est-ce qu'elles ont déjà été exposées en France? Ici, ces photos-là ou les... Oui, celles-ci qu'on regarde. Non, jamais. Ces photos n'ont jamais été exposées. Donc c'est vraiment une première. Non, la petite expo qu'elle avait à Shoreham, la petite ville où elle habite, dans un café, dans cette expo, il y avait peut-être 3 images qu'on reprend ici. Je pense qu'il y avait le petit garçon. Mais on n'a jamais travaillé avec l'idée des preuves, jamais. Et non, on n'a jamais montré cette série entière comme ça. Et j'espère pouvoir la montrer à Paris. Elle aimerait bien, parce qu'elle a 91 ans. Je pense que si l'expo aura lieu à Paris, elle pourrait venir.
Okay. Mais pas ici. Non. Mais est-ce qu'elle aurait pu être là ce soir? Non, je ne crains pas. On lui a proposé ça, mais elle est très... Si vous la voyez, vous pensez que c'est une femme de 70 ans. Elle est toujours très belle et très, très intéressante, mais je pense un vol de 7-8 heures et le décalage horaire. Elle a quand même des problèmes de santé. Ouais. Mais et si vous restez pour voir les films, vous allez entendre sa voix et vous allez en savoir plus sur sa vie. Elle a eu une vie remarquable, mais c'est une femme très forte. Okay. Très, très forte. Mais est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de prendre des photos de ce genre? Bien sûr. Aujourd'hui, vous pensez maintenant prendre des photos pareilles? Oui, oui. Avec des enfants dans la rue? Non, vous auriez beaucoup de difficultés. Premièrement, il faudrait avoir le consentement des parents. Deuxièmement, il faudrait probablement signer des documents parce qu'il y a le problème peut-être éthique. Mais je pense la chose la plus importante, c'est que maintenant on ne trouve plus les enfants dans la rue comme ça, surtout pas à Paris ou à Toronto. Dans d'autres pays, oui, mais à Paris, ça ne serait pas sécuritaire pour les enfants. Dès cet âge-là, vous voyez ces petites filles-là ont peut-être 3-4 ans. Mais justement, comment ça se fait que ces enfants, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pourquoi est-ce que ces enfants étaient seuls dans la rue? Je peux vous dire, j'ai lu un texte par un sociologue, Jean-François Thierry, qui a écrit un texte en 1957-58, il a fait une étude à la Cité des Sages de Lourdes. Les familles étaient très nombreuses. Et il s'est partagé une pièce. Une pièce avec une petite cuisine. La salle de bain était à l'extérieur. 500 personnes s'est partagé juste 13 toilettes publiques. Et la rue était là où les enfants allaient jouer. Un espace de liberté. Oui, les pères travaillaient, les mères aussi souvent travaillaient, étaient au travail. Et les enfants étaient dans la rue, dans les quartiers dans la rue. Mais c'est ça. J'imagine que vous êtes quand même satisfait par la tournure que prend l'événement. Il y a quand même du monde, ça fait du bruit. C'est très bien, ça permet de découvrir un travail vraiment formidable. Je suis très contente. Okay, ben, qu'est-ce que vous pensez des photos? Non, je vais être honnête avec vous. Oui. Je ne suis pas un très grand amateur d'exposition, mais j'aime énormément, surtout en raison du caractère presque politique de ces photos. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des photos qui parviennent à raconter une histoire, en fait. C'est ça. De ce à quoi peut ressembler la misère, même dans les pays que l'on considère souvent comme extrêmement développés, une population qui peut être fragile, les enfants qui peuvent être laissés à eux-mêmes. C'est ça. Et surtout que on n'oublie pas que ces choses ont existé et qu'elles pourraient encore exister si on ne travaille pas. Donc j'aime beaucoup ces photos parce que je trouve qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose, et la démarche que je compte faire après, c'est que je vais essayer de trouver au moins un de ces enfants. Parce qu'ils doivent encore être en vie. Ils doivent avoir 70, 75 ans maintenant. Et ça me fait très plaisir d'en trouver au moins un pour qu'il me raconte ce qui est arrivé après, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça me fait mal au cœur aussi, parce que je vois que ces enfants ont eu une vie très difficile. Mais au moins, Marilyn les a trouvés et a pris la photo. Il y a une belle histoire, elle m'a dit, quand elle a pris des photos à un endroit, pas la Cité des Sages, mais à Boulogne-Billancourt, il y a un petit garçon qui lui a demandé si elle pouvait lui envoyer sa photo. Elle a pris son adresse, elle lui a envoyé la photo. Et le petit lui a écrit une très très belle lettre pour lui remercier pour la photo, mais malheureusement elle n'a plus cette lettre non plus. Parce que ça, si on avait eu la lettre, ça aurait été très très chouette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben, quoi qu'il en soit, merci infiniment. Merci à vous. Très très belle exposition et je trouve que vous faites un travail formidable. Donc merci. Transmettez nos salutations et nos amitiés. Transmettez-lui nos salutations. Oui, bien sûr. Dites-lui qu'on aime beaucoup. Qu'elle est parvenue à convaincre même des gens qui ne sont pas très très grands amateurs de photos à aimer l'exposition. Donc,